Salut les gens, salut YouTube, comment ça va? Je venais vous présenter un petit peu ce qu'allait se passer sur ma chaîne, le développement, ce que j'avais prévu, mes projets, tout ça avec cette chaîne-là. Donc, j'ai prévu de faire deux playlists, une playlist motivation mindset et une playlist business. Donc, je vais commencer par la motivation. Vous avez vu ma première vidéo hors intro était sur la motivation. Donc, je vais vous faire beaucoup de traductions de vidéos américaines et vous les traduire justement en français pour vous motiver. Donc, j'ai l'objectif futur de faire plusieurs vidéos à la semaine, mais là, je débute. Donc, j'apprends le montage, j'apprends aussi comment bien paramétrer ma chaîne YouTube et puis je découvre un petit peu. Donc, je vais essayer de tourner à deux vidéos minimum par semaine. Mon objectif, c'est deux vidéos pour commencer et on va développer et évoluer. Donc, comme je vous disais, deux playlists motivation business. Pourquoi motivation? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut de l'argent tout de suite. Il y a beaucoup de monde qui veut du business, mais ils n'ont pas la motivation ou ils n'ont pas le mindset. Et pour moi, c'est le plus important avant même le business. On peut se lancer dans un business sans motivation, sans mindset. Je ne vous donne pas 10 000 chances d'y arriver parce que pour moi, c'est quand même le plus important. Si ça ne va pas dans la tête, comment voulez-vous vous lancer dans un business ou si vous ne formez pas, si vous apprenez pas, comment voulez-vous vous lancer dans un business? Ce n'est pas possible. Arrêtez de rêver, on vous vend plein de rêves et c'est complètement faux. Il faut se former, se motiver et avoir le mental. Pour y arriver, ça tombe pas du ciel. En tout cas, moi, ça n'existe pas. Si ça existe pour vous, tant mieux. Donc, voilà, je me suis fait une petite doc pour vous dire ce que j'allais faire pour pas tout oublier. Donc, vous voyez, même là, je suis cash, je vous dis. Donc, j'avais marqué effectivement la première, la plus importante, c'est la motivation et le mindset. Je veux que vous compreniez que c'est vraiment ça le plus important. C'est pour ça que je vais balancer au départ des vidéos là-dessus et après on va se diriger sur le business. Donc je vais vous montrer, vous présenter comment je vois le business, comment moi je fais mon business, mes stratégies. Je vais tout vous apprendre. Je veux que vous évoluez, je veux que vous avancez et je compte avancer en même temps. On va tous avancer ensemble. Tout le monde veut faire l'argent rapidement. Je suis désolé, mais ça ne marche pas comme cela. Ça ne va pas aussi vite. Il faut apprendre, travailler, travailler et travailler. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. C'est parce que vous voulez l'argent tout de suite. Vous lancez quelque part sans apprendre. Vous espérez que ça marche. Vous croisez les doigts et vous attendez. Donc ça ne marchera pas. Donc je vous demande un peu de patience. Il faut apprendre. De toute manière, la patience, vous l'avez parce que pour l'instant, vous êtes prêt, je vous dirais, à travailler 50 ans pour un patron. Donc 50 ans, c'est long. Donc si demain je vous disais que dans, allez, on va dire entre 2 et 5 ans, vous arrivez à vous faire un salaire, alors oui, hein, je ne vous vends pas du rêve, je ne vous dis pas dans 2 mois, vous allez vous verser un salaire. Et pour tous les gens qui ont déjà fait du business ou qui ont essayé, vous le savez, je ne vais pas donner de nom de business, mais il y a des gens qui sont formés quelque part, qui ont lancé des business, ça fait 2 mois, 1 an, 2 ans, et ils font toujours pas de salaire. Donc soyez patient et faut avoir la bonne méthode. Tout ça, c'est ce que je veux vous apprendre justement avec le temps. Donc je m'étais noté comme je compte vous faire évoluer en changeant votre mentalité de pauvre. C'est exactement ça que je veux faire. La première des choses que je veux faire avant de vous apprendre un business, c'est de changer votre mentalité. Quand je dis mentalité de pauvre, il n'y a aucune insulte là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi j'avais une mentalité de pauvre que j'ai changée. Après, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Français qui a déménagé de l'autre côté. Je suis sur le continent américain et je me forme auprès des meilleurs. Et les meilleurs, c'est qui? On n'est pas là pour mentir. Les meilleurs, c'est les Américains. En mentalité, en mindset, en business, c'est les Américains. D'où sort Facebook, d'où sort Amazon, c'est les Américains. Il faut arrêter de se mentir. Donc, je vais à la source. Et là, moi, je vous fais la traduction de la mentalité américaine. En gros, c'est ça le bise entre vous et moi.
Pourquoi? Car la plupart d'entre nous, nous venons de familles pauvres. On a appris à être pauvres et c'est la vérité. Ma famille, sûrement votre famille, c'est des pauvres. On était pauvres. Et là, maintenant, on a décidé de changer. On a l'opportunité de pouvoir changer. On ne va pas critiquer nos parents, mais ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas accès au monde au jour d'aujourd'hui. Nous, on a ça, on a cette opportunité. Donc, on va sauter ensemble dans cette opportunité. Donc, voilà. Mais si tu es là, c'est que tu veux changer les choses et il va falloir vraiment changer. Il va falloir faire des sacrifices pour changer et évoluer. Donc, c'est la petite note qui a été notée. Et pour vous donner l'exemple, j'ai énormément, énormément changé. Je vais vous donner juste un exemple, c'est que j'aimais pas lire. À l'école, je foutais rien et hors de question de lire. À part mon foot que je lisais rien d'autre. Au jour d'aujourd'hui, je vous montrerai pas, vous le verrez plus tard dans des vidéos. J'ai une bibliothèque avec plein de livres et je fais que lire. Donc, comme quoi, une nette évolution, un net changement. Et pourquoi lire? Parce qu'on apprend plein de choses. On se forme et on évolue grâce aussi à tout ce qu'on lit. Donc c'est super intéressant et je vous pousse à lire. Et d'ailleurs, on parlera de ça plus tard aussi. D'où l'importance de lire. Donc, une petite note aussi. Les objectifs, justement, c'est d'avoir un objectif et non des rêves. La plupart du monde, on a des rêves. Tout le monde rêve, je veux aller à Tahiti, je veux avoir une maison ou je veux avoir une super maison. On s'en fout des rêves, ce qu'il y a à la télé, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est y arriver. Donc, si on veut une maison, on va tout faire pour avoir une maison. On va pas rêver de l'avoir. Ça ne sert à rien de rêver. Donc, on va se bouger, on va réfléchir comment qu'on peut avoir notre maison, quels plans faut mettre en marche pour obtenir notre maison, quel business il faut lancer, quel salaire faut avoir pour obtenir notre maison. C'est ça mon but. Donc, c'est vraiment de changer vos mentalités. Et si vous voulez une maison, vous pouvez l'avoir. Moi, j'étais dans votre cas, je n'avais pas de maison. Je me suis dit, je vais payer un loyer toute ma vie dans le vent et ça me fout les boules. Et je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça. Il faut ma maison, il faut que j'aie de la pierre pour mes enfants plus tard. Ou il faut que j'arrête de regarder, je vous parle quand j'étais en France, il faut que j'arrête de regarder la télé, de rêver de voir des belles plages et de ne pas y aller. L'objectif, c'est d'aller sur les belles plages et d'arrêter de regarder ça à la télé. Donc, c'est ce que je veux pour vous. Et en second plan, donc après tout ce qui est mindset, motivation, on va rentrer dans le vif du sujet avec un business. On va parler business. Donc, je vais vous faire découvrir comment analyser les business où on va pouvoir se lancer. Il y a des choses où on ne peut pas se lancer parce qu'on n'est pas assez formé, on n'a pas assez appris, on n'a pas assez de recul. Et il faut être dans la bonne évolution. Il ne faut pas regarder les choses de 2017 quand on passe en 2021. Il faut être à jour. Et c'est pour ça, il ne faut pas être décalé non plus. On va regarder la stratégie, comment il faut l'importance de se former. Donc, on est obligé de se former. Si on veut évoluer, il faut changer notre mentalité. On est obligé de se former. Je me forme. Chaque année, je mets des milliers de dollars pour me former. Et vous, ça va être la même chose. On ne peut pas apprendre en regardant des vidéos YouTube. Je n'y crois pas une seule seconde. Donc, on peut apprendre plein de choses, on peut évoluer. Mais pour le final, il faut se former. Donc, quand je dis se former, il y a se payer des formations, mais il y a aussi des lectures, des livres à 20 euros qui vont vous apprendre énormément, autant qu'une formation peut-être à 1000 euros que certaines personnes vous vendent. Donc, je vous montrerai aussi comment trouver des logiciels, comment trouver des sites pour nous aider à avancer, à évoluer dans le business. Comment lancer aussi un premier business. Donc, ensemble, on va lancer un premier business. Pourquoi? Pour faire de l'argent. Alors, c'est pareil, on va faire de l'argent et après, je vais vous montrer comment monter une pyramide avec son premier business. On va être spécialiste de ce business pour lancer d'autres business et pour augmenter notre pyramide. Voilà un petit peu les projets que j'ai pour cette chaîne et les projets que j'ai pour vous. Donc, laissez-moi des commentaires sur ce que vous pensez. Notez-moi dans vos commentaires si la motivation, vous êtes motivé, si c'est un oui. Si le business, vous êtes motivé, c'est un oui. Et le mindset, pareil. Motivation, mindset, c'est un peu dans le même, la même chose.
y a une différence, mais on va dire que c'est dans la même chose. Ça sera dans ma première playlist et la deuxième dans le business. Donc je vous laisse me dire ce que vous voulez, si vous avez d'autres idées à m'apporter sur des points que là je vous ai présentés ou pas présentés, que vous voulez qu'on regarde ensemble, qu'on discute ensemble. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des lives pour communiquer directement avec moi, pour me poser des questions? Dites-moi vos idées et c'est comme ça qu'on va évoluer tous ensemble, vous comme moi. Donc je vous dis à bientôt et je développe la chaîne à fond et on va tous se développer ensemble. Merci à tous.